Monsieur Magno, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre clair ou après opportunité, possibilité pour suivre l'émission ça. Sur Tigo Chanel, qui c'est Chanel, radio, télé, Cause Mondo, par le fameux directeur, l'empereur fidèle pharisien. Madame, monsieur, encore, bonjour, bonsoir. Jodia, nous venons avec une belle émission pour nous. C'est une émission qui a un caractère social, politique, économique et culturel. J'en ai dit tout à l'heure, non pas, c'est humblement humble serviteur Saint-Fleur du Bois. Jeudi mercredi 5 avril 2023, sujet principal, c'est venir parler nous de deux mots qui font sœur et qui ont une importance capitale pour nous qui c'est projet société. Et non, société, nous avons l'autre bail qui est important, c'est la famille, l'école. Et l'éducation, un paquet de bagages, l'environnement, tant d'autres. Avant d'aller plus loin, on a essayé par décortiquer, définir chaque mot ça y a pas. On a commencé par société. Dans le latin, ils disent société, societas. Ils parlent de organisation. Association, on peut parler d'un groupe individu qui n'a pas espace donné, qui a même mœurs, même principe, et on sait tout, yon là pour yon appliquer et ensemble de valeurs qu'il a, qui fait partie de l'environnement que vous vivez là. Mais si nous parlons plus loin, ethnologue là, il y a une façon que l'on est société. Sociologue là, il y a une façon que l'on est société. Pour ethnologue là, les dix sociétés sont un groupe de monde. Monde ça y a une même mœurs, même culture et même normes. Il parlait de valeurs aussi. Pour sociologue là, il dit société a son groupe individu qui fait partie de même génération, qui fait partie de même civilisation. Ça, c'est société. C'est société. En gros, on pensait que nous ne définissons pas notre société. Nous parlons pas de projet. Sacré projet. Un projet, c'est un but. C'est une vision. C'est un rêve à atteindre. Et nous avons un exemple qui est très clair. Nous parlons par exemple d'élève l'école. Élève l'école là, qui voulait que passer une bonne fin d'année, qui ça l'oblige à faire d'avance. Dès son entrée, en octobre, il commençait par étudier, préparer, pour être capable d'obtenir un bon résultat au final. C'est que lui commençait par travailler. Là, il y a un but, il y a un rêve, il y a un objectif à atteindre. Eh bien, lorsque nous prenons deux mots, nous prenons projet, société, nous voyons que projet a ses buts, ses visions, société a, et parlons de
en groupe, j'en ai défini tout à l'heure, en groupe de monde, des animaux, qui nous espace donné. Et par la suite, il parle parler de normes, il parle parler de normes, il parle parler aussi de comportement, il parle parler de valeur, il parle parler de ensemble de bagages qui pourrait lier mon saio. Eh bien, ça fait que nous fait rapproche et nous fait nous entrer dans deux mots saio pour nous définir yo. Par la suite, on a entré dans sujet à qui c'est projet société. C'est parce que nous voulons montrer en gros importance et valeur frais à gagner. Et application que nous allons faire, nous allons appliquer sur la société haïtienne. Non. Et avant de aller plus loin, m'a essayé de faire un petit bac avec mon tout petit. Selon le professeur Inoktuyo, il dit que à partir de 1804, il dit après nous finir l'indépendance, nous, il dit que dans la colonie à Saint-Domingue, lorsque nous t'es nous connaissons l'histoire, qui est tragique et pour nous. Parce que il y a deux dates qui marquent nous. C'est Yon qui fait partie du fameux Macandal, c'est 1757 à 1758. Et le 14 d'août 1791, c'est Mouni du Wakaïma. C'est que depuis là, nous commençons par organiser nous. Ça lui parle accroché le 22 août 1791. Donc on tout ça fait pendant jour ça dans à Saint-Domingue dans la colonie. Mais pour ça lui voulait aller plus loin pour essayer pas expliquer nous pour dire nous que lorsque nous faisons tout ça yo, nous chasser la plus grande armée du monde c'est l'armée napoléonienne. Mais il dit que dans la colonie il t'es gagné 6 l'école et dans 6 l'école il voulait pas aller à l'étude, c'est pas ton l'école qui était là pour la classe paysanne. Si on l'école qui était là pour la grande famille, pour la grande famille et pour les privilégiés qui c'est les généraux et la grande famille, est-ce que de là par commencer pas de une société qui biaisée. Est-ce que de là on va commencer une société inégalité? Est-ce que de là nous pas de une société hypocrite? Parce que cette grande bataille qui mène une nouvelle indépendance, c'est la bataille haïtienne, n'est pas une bataille un petit groupe classe. Ta ton petit bataille pour un petit groupe monde déterminé. Mais en réalité, pour ça, dis-nous que tu as une école. C'est que toute reste population que tu as délaissé. Est-ce que forcément là, nous avons parlé de société, nous avons parlé de projet société. Et par définition, nous commencement émission, on te voulait. Et ça fait que je me prends le temps, je prends soin pour tout fanatique et radio, captant des émissions, qui prend le temps des émissions sur radio, télé, cause et vaudou, qui a compris très bien et capable d'une approche claire dans la tête du sujet qui c'est projet, société, qui est obligé de prendre chaque mot à pas pour ne pas définir. Et devine, c'est associé ensemble. Mais selon Rousseau, là, depuis l'ESA, comment c'est une société inégalitaire? Comment c'est une société hypocrite? Parce que classe paysanne peut être délaissée. Ça a son petit bac qu'on fait à partir de 1804.
On n'a pas même besoin de vivre de nos jours. De nos jours, nous connaissons ici. Éducation que nous gagnons. Sur éducation que chaque catégorie de monde, qu'on façon que éduque elle. Monde qui fait partie de la classe bourgeoisie, qu'on type d'école que vous. Monde qui fait partie de la classe moyenne, qu'on type d'école que ma camé petit. Monde qui fait partie encore de la classe paysanne, mon milieu rural, qu'on type d'école que camé petit. C'est que là, toujours, qu'on société inégalitaire, un système d'exploitation. Est-ce que...